Taïwan est né d'une expérience personnelle qui aurait dû me coûter la vie il y a quelques années en arrière, lorsque je me suis retrouvée aux urgences, inanimée, et que les secours ne savaient ni qui j'étais et ni qui prévenir. Et ce qui était plus grave, c'est qu'ils ne connaissaient absolument pas mon traitement médical de l'époque. Donc ils auraient pu faire une erreur, mais heureusement je me suis réveillée. Et j'ai ensuite décidé de retourner voir les secours pour connaître leurs problématiques sur le terrain et savoir si ce qui m'était arrivé était fréquent. Et en fait, les secours vous expliquent que ce qui m'est arrivé leur arrive régulièrement. Ils ont souvent affaire à des victimes inconscientes ou choquées, qui ne sont pas en capacité ni de dire comme moi qui elles sont, ni qui prévenir. J'ai donc pris la décision de créer IDEOne. Grâce à quelques produits assez simples qui disposent d'un QR code, on peut, avec un simple téléphone portable, identifier une personne, informer ses proches et donner au secours via une double authentification l'accès à l'ensemble de son dossier médical. Savez-vous que chaque année à travers le monde, malgré les compétences des services d'urgence, plusieurs centaines de milliers de personnes décèdent par manque d'informations médicales ? Problèmes de santé, accidents, nous sommes tous concernés. Ensemble, aidons les secours. Grâce au QR code présent sur votre produit IDEOne, la personne qui vous vient en aide peut vous identifier, informer vos proches et donner au secours l'accès aux informations médicales que vous avez décidé de rendre visibles. Alors, le dossier médical est en lien donc avec notre site internet. C'est grâce à ça en fait que vous allez créer votre profil. Vous allez tout d'abord créer un profil d'urgence, c'est-à-dire les informations que vous voulez voir apparaître au premier flashage. Et ensuite, vous pourrez créer un dossier beaucoup plus complet en désignant une personne de confiance que les secours devront appeler et qui leur permettra d'accéder à l'ensemble des données cachées que vous aurez enregistrées. Alors, nous avons créé 4 objets qui chacun dispose d'un QR code unique. Ce peut être un bracelet comme celui que j'ai ici, en silicone pour les sportifs, mais également une petite planche d'autocollant qui intervient notamment dans le domaine de la silver economy. On peut coller un autocollant sur un boîtier de téléassistance chez une personne âgée. Et donc, quand on envoie le SAMU ou les pompiers à domicile, ils repartent tout de suite avec le dossier complet de la personne. Ensuite, on a aussi une carte et un porte-clés. Et puis après, un petit bracelet bijoux comme celui que je porte tous les jours. L'idée, c'est que chacun trouve le produit qui lui convient le mieux et avec lequel elle se sent le plus à l'aise. Nous sommes très fiers d'avoir déjà remporté 6 prix dans différents domaines, comme la silver economy, le handicap et puis donc la sécurité au travail. Pour nous, c'est vraiment un gain de notoriété et de crédibilité. Et nous pensons que nos marchés sont vraiment très importants. Maintenant, à nous de procéder par étapes et puis d'aller voilà, petit à petit de mener notre bout de chemin. IDEOne, la carte d'identité médicale conçue pour sauver des vies.